Salut les viewers et les vieweuses, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom, ce nouvel épisode de cette nouvelle série, peut-être sur Surgeon Simulator 2. Si vous connaissez pas, je vais pas vous le montrer, je vais pas vous l'expliquer, je vais vous le montrer plutôt. Vous allez voir, c'est très très, disons que c'est très très réaliste. Oh mince. Ça va être rigolo. Bonjour. Il va falloir que je change un petit truc aussi au niveau du gameplay peut-être. Filtre de sang, réticule toujours activé, non, commande, non. Ah bah il y aura peut-être pas. Non, il y aura sans doute pas. C'est... J'aurais préféré que ce soit un... Alors, t'appuies sur le bouton ? Oh. Aha. Excellent button pressing. You're a natural. Merci beaucoup. Ouh là là. Oh, ça va être coton. Ça s'est fermé ? T'es fermé. Faudrait une clé. Oh ! Toujours voulu peindre des choses. C'est parti, allons-y. Ah, c'est toujours pas fluide en fait. Bon, c'est pas grave. Oh ! Un copain ! Attends, je tends le bras. Voilà ! Ça y est. Il vient par là. Oh ! Il est mignon. On va le garder avec nous. Pourquoi je voudrais prendre ça? Je me suis fait un ami. Si je tape là-dedans? Oh. Ouais, j'ai pas vraiment tapé dedans. Un donut! Oh putain. Ça va être compliqué. Allez, ramasse le donut. Je peux pas. Ça y est, j'ai le donut. C'est pas le donut qu'il faut mettre. Falloir que je fasse un choix entre le donut et... moi il me faudrait ça. Ça, ce serait pas mal. Bah alors. Ha! Je l'ai. C'est bon? Ah, il faut que je l'y laisse. Viens là, toi. Toi, je t'aime bien. Ah, il fait du bruit. Rapproche-toi, t'en vas pas trop loin. Tu me manques déjà. Unlimited power. Bon, tant pis, c'est pas ça que j'ai besoin. J'ai besoin de ça. Donne. Hop, c'est bon, j'ai. Unlimited. J'ai du mal avec le FOV, j'ai l'impression, hein. Parce que vous savez quoi, je crois que je vais changer légèrement le... Il était à 80 au début, c'est pas mal. À mon avis. Aha. Bonjour. Bob. Bob. The surgeon simulated training program is a groundbreaking new approach to surgery. Real patients. Ils sont dégueulasses les gens. Soon you'll be able to tackle all kinds of medical emergencies with ease and confidence. It's all terribly exciting. We'll start your training with a quick heart transplant. Don't worry, I'll walk you through it. It'll be a breeze. Ha. Oh, but... Ha. I'm not sure why that door's locked. Julian, why is that door locked? Okay. Julian, ouvre la porte. I guess I'll have to come back later. Let's try something a little different. Non! Non! Bonjour? Attends, attends. Non? Oui! Qu'est-ce qui m'arrive? Wouhou! Ok, let's try this instead. We're going to attempt a leg transplant. Hmm.
Pourquoi y a un monsieur qui a perdu une jambe? Des canards. Oh, oh, la grosse question. Qu'on se pose tous. Non! Pourquoi y a pas d'eau? C'est vexant. Bon, est-ce que j'ai une tenue? Nope. Ferme-la! Oh non de Dieu. Oh non de Dieu. Et là, j'ai une tenue. Putain. Ah! Ceci ressemble à un bouton pour les lumières. C'est pas un bouton, c'est vissé. Mais c'est nul! Bon. Entrons. Il est temps de faire ce que le jeu réclame. Perte de sang, volume sanguin. Jusque là. Bob! Pardon. T'es en train de dire que je peux... Oh! Allez! Merci! Hop là! Bob! Non, Bob, ça va le faire! Ça va le faire, Bob! Je te jure que ça va le faire! Ah, c'est parce qu'il faut que je... Ah! Bob! Ça marche? Ah ah! Ça a été compliqué, hein. Pop it on! Attends. Mais attends, du coup. Je suis assez curieux d'un truc. Ça marche. Ok. Ok, très bien. Ok. J'ai pas une autre seringue. J'ai envie de le... Ah, à moins que s'il m'en reste dans la seringue. Il m'en reste. Ah ah! Tiens, ça j'en veux pas. Oh! Je croyais que ça marchait tout seul. Ok, bon bah on va faire ce qu'elle veut parce que je crois que ça veut pas. Allez, dégage. Ok, bah là ça veut bien. Ça va, Bob? Attends, comment ça c'est toujours Bob au passage? Bon, c'est pas grave. Voilà. Voilà, la jambe. Mets-lui la jambe. Voilà! C'est bon? C'est par où? C'est par là. Ah. Tendance à vouloir sprinter avec Shift. Ah bon? Red. Ok. Bob! Tiens, c'est cadeau. He's looking better already. Rather than just ripping off a limb, use a little more finesse this time. Why don't you grab a saw? For good sawing technique, grab the saw straight on. If you need to realign your grip, drop it and try again. Align the saw with the cutting line, place it down gently and saw back and forth until the limb drops off. D'accord. Remember, if you use the saw, Bob will bleed out much more slowly. Oui, c'est logique. Utiliser une arme fait que ça... Oh là là. Bon, allons-y, on va bien voir. C'est quel bras?
C'est la jambe? Bras droit, bah oui, bien sûr. Ah ah, parfait! Mais comment je fais le geste? Logique. Nasty. Give it another shot. Comment ça? C'est quoi ce bordel? Voilà. Heureusement qu'il est pas réveillé, le pauvre monsieur. J'étais pas sur la ligne. Ah, d'accord, il y a une... Non. Ah! Voilà, ça va comme ça. Oh! Le monsieur, il est pas en forme. Vite! Vite! Monsieur! Monsieur, ça va le faire. Vous allez vous en sortir, monsieur. C'est bon? Oh, très bien. Par principe, soyons des professionnels. Je me demande. Ah. C'est bien ce qui me... Oh! Pardon. Allez, monsieur, monsieur, laissez-vous faire. Je suis un professionnel, monsieur. Monsieur, ah, il est resté coincé. Monsieur, je suis un professionnel, ça va aller. Je suis un peu bourré, mais... Monsieur, tout va bien se passer. Ah ben voilà, il perd plus de sang. Je savais bien qu'il en avait pas besoin de ce bout-là. Attends, deux secondes. Faut quand même lui remettre un petit peu de sang dans le ciboulot. Alors ? Ah ah ! J'ai trouvé une veine. C'est bon ? Donc il a besoin d'un bras droit ? Pique-nique, douille, c'est toi, l'andouille. Ce sera toi. Ben voilà! Il perd du sang. Pourquoi perdrait-il du sang? Voilà, tout va bien. C'était pas le bon bras? Ah, il lui manque la tête, apparemment. Il faut qu'il soit complet. Ça va? Bob introuvable. Ah bon. Il fallait le dire avant, ça! Ah! Allons-y. Bob, vous êtes prêt? Bob, ça va aller. Je suis un professionnel, je suis bricoleur du dimanche. Bob, c'est bon? Bob, il vous reste encore un petit peu de... Je suis désolé, Bob. Je ne travaille pas avec les os, Bob. Je ne suis pas un... Bon, tant pis, laisse tomber, Bob. Ne pas se tromper, prendre l'os, pas le...
Bah, j'arrive pas à nettoyer les... Les noces. Ah ah. Les noces. Ah ah. Les noces. J'essaye. Il veut pas se laisser... Bon. Scalpel. Allez. Ça y est, je l'ai. Non, je l'ai pas. Il y aurait plutôt un couteau à beurre. Ça y est, je l'ai. Je l'ai, je l'ai, je l'ai. Alors. Voilà, c'est pas mal. Le geste est beau. Le geste est parfaitement normal. Mais il est en train de perdre du sang. Oh, ça va. Par contre, s'il me faut un couteau à beurre par... attends. Je suis désolé. Hop. J'ai besoin de mon couteau à beurre si tu veux bien revenir dans mes... Voilà, parfait. Ok. Block. Très bien. En fait, j'aurais une fourchette, ce serait aussi bien. Bob, je suis désolé. Bob. Oh. Eh ben, c'était pas prévu que ça se fasse comme ça. Mais je trouve qu'on s'en sort plutôt bien. Bob, ça va le faire. Bob, j'ai un poumon pour toi. Voilà. Bob, j'ai une glacière de poumon. Si tu veux, je peux t'en mettre un troisième. Oh ! Oh, c'est suffisant ! Il suffit de les remettre en place. Ok. Bon, bah, j'emmène un outil alors. Oh, mais j'aurais pu le faire avec ça. Hop. Ah, bon bah je récupère mon bras. Non. Oui. Dégagez. Allez hop, c'est bon. Vous êtes soigné, dégagez. Merci. C'est pas mal, c'est rigolo. Est-ce qu'on peut avoir une vraie... Un vrai écran figé, oui. Mais une vraie opération... La télé, elle marche ou pas? Nope. Oh bah oui! Ah bah voilà! Sélectionner un personnage. Oh, oh non, je vais prendre Milo! Il est mignon, Milo! Milo, c'est Milo et Stitch, c'est ça, non? C'est pas Milo et Stitch? Merci! Oh, un plug!